Et bien du tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, entre guillemets, Star Citizen. Donc avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. On est à 792 abonnés, s'il vous plaît abonnez-vous. Ça vous coûte rien et ça me soutient énormément pour le développement de la chaîne. Avec un petit like, un petit commentaire, ça mange pas de pain bien entendu. Voilà, donc si vous pouvez le faire, je vous en remercierai du fond du cœur. Merci à tous ceux qui feront ça. Donc les amis, pendant que j'y suis, n'oubliez toujours pas que la corporation recrute des membres actifs. Voilà, sur Star Citizen, qu'ils ont envie de s'investir dans une corporation, qu'ils ont envie de se battre pour ses valeurs, les valeurs de la corporation et pour le drapeau de la DG Team, bien entendu. Voilà, toutes ces personnes qui sont en admiration pour ce jeu, qui sont vraiment passionnées pour ce jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre, même d'ailleurs ceux qui ne le sont pas, hein, on recrute toutes les personnes qui soient différentes. Horizon, on va dire entre guillemets, n'hésitez pas, voilà, que vous soyez seul, vétéran, nouveau joueur, avec un groupe d'amis et vous cherchez une corporation, la DG Team sera prêt à vous recruter. La seule interdiction que je vais vous dire maintenant, mais il y en a d'autres bien entendu, hein, vous savez très bien, mais la plus principale, c'est bien entendu de pas avoir d'intercorpo, donc ça veut dire qu'on n'accepte pas que les gens qui nous rejoignent ont plusieurs corporations, ce qui est normal, on veut que les gens qui soient avec nous soient à fond à 100%. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi dans la description les amis, le Discord de la corporation, donc pour nous rejoindre au sein de la corporation, n'hésitez pas à aller dans la description, et il y a le Discord de la communauté NG86, de ma chaîne YouTube, de voilà, tous ceux qui ont déjà une corpo, et admettons ça leur intéresse pas de rejoindre corpo, mais par exemple qu'ils aiment bien mes vidéos, qu'ils aiment bien mon contenu et mes concepts que je distribue sur YouTube, bah n'hésitez pas, voilà, on pourra peut-être passer des petits lives, des petites vidéos ensemble, on pourra parler un peu, discuter sur les channels, différents channels qu'il y a au sein du Discord, voilà. C'est un Discord multigaming, donc n'hésitez vraiment pas à venir jeter un coup d'œil. Voilà, même si vous n'êtes pas obligé de venir en vocal ou quoi, il n'y a pas d'entretien vocal forcément pour rentrer ou quoi. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir sur le Discord de la communauté. A savoir que je voulais aussi remercier ces 6 personnes, donc TG, Orige et Warstar, et bien entendu les 3 autres qui. Eux ont fait entre guillemets, ont recréé un compte, je crois, mais n'ont pas utilisé mon code parrainage, parce que c'est bien de mon code parrainage qu'on parle. Il est juste ici et il sera dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vous en remercie, ceux qui le mettront à la création de votre compte. Mais merci à Mort de Soif, Wakil et le Rêveur. Je vais l'appeler le Rêveur, c'est pas si mieux, mais merci à eux en tout cas de l'avoir mis et d'avoir pensé à moi. Ça soutient énormément. Un grand merci à tous ceux qui le feront par l'avenir. Donc, pourquoi cette vidéo, les amis? C'est pas compliqué. Cette vidéo, elle est faite pour que vous ayez des badges. Donc, les badges, c'est quoi? Les badges, c'est tout ce qui se trouve ici. Voilà. Tous les petits trucs qu'on peut voir. Comme par exemple, je clique là, account, on voit ici. D'accord? Donc, là, moi, j'ai mis le CDF Gold. Donc, c'est tous ceux qui ont acheté un fuite avec le ticket Gold. Voilà, donc après il y a l'agresseur, je crois que c'est quand on fait de la piraterie sur l'arena commandeur, il y a un truc bizarre, je me rappelle plus. Là c'est les vagues de pirates sur l'arena commandeur, le Tonks commander, c'est pareil, c'est avec les tanks sur l'arena commandeur. Voilà, faut avoir fini premier au moins une fois de la game. L'agresseur ou le pirate, faut finir les games, enfin, pas très compliqué. Cartographe par exemple, là que je l'ai en tête, cartographe c'est comme ce que je vais vous présenter là, mais d'une autre façon. Donc, à savoir que c'est pas si simple de l'avoir. D'accord? Donc là, voilà. Pour avoir des différents badges. Donc là, par exemple, on va aller sur le Nautilus. Alors, bougez pas, j'ai une petite fiche à côté. Tac, 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 tac. Qui m'emmène normalement. Voilà. Donc, ce sera le Sapeur Badger. Donc, c'est un... On va dire c'est une croix, enfin je peux pas vous montrer le badge. Mais d'ailleurs, au passage, merci à un docom qui m'a montré ça parce que je ne le savais pas. Et je l'ai appris. Je l'ai appris comme ça, il m'a expliqué d'ailleurs. C'est un des membres qui nous a rejoint au sein de la corpo. Voilà, donc n'hésitez pas à venir aussi pour vous partager votre savoir. Donc là, je me rappelle plus, mais je crois qu'on peut faire des trucs que. Deck, voilà, ça c'est le main vaisseau, ok. Ok, sweet deck, ok. Enfin bon, pas trop compris. D'ailleurs, on va commencer par traduire la page. Okay. Et du coup, voilà. Hop,
on appuie sur commence la mission. Alors, Tseb sauvage, vous marchez dans les ruelles de Zone. Puis toujours les yeux emmenés à cause d'une trop grande erreur. J'ai dit que vous êtes approché par une femme avec un broc de lait. Moi, je suis sur l'étage. J'ai vu un Nautilus atterrir avec Memorial l'autre jour, on dirait. Et à vous. Hop, si vous arrêtez, étrange potentiel dangereux demande d'explorer d'anciens champs de mines à la recherche d'un trésor. Ben, je dis, c'est pas tous les jours, ok. Donc, soit on fait lui, soit on fait lui. Moi, je suis chaud pour faire celui-là. Donc, voilà. Là, ça va vous emmener sur un truc comme ça. Votre mission est de capturer la cachette de votre adversaire et de protéger la vôtre. Je peux baisser le son. Ah, je peux pas trop le baisser. Pas très grave, puis on va. Et ceux qui sont sur Discord, sur BS directement. Comme ça, vous l'avez pas beaucoup, moi je la fous. Ok, donc là on met sauter. Jeu rapide, hein. On est là pour faire un petit truc tranquille. Recherche d'un adversaire. Donc je sais pas vraiment à quoi ça consiste celui-là. Mais si c'est un truc en multi, on va vite arrêter. Bon bah du coup les amis, désolé mais l'autre apparemment c'est un multi, donc c'est pas très grave. Ce qu'on va faire c'est que je le ferai certainement dans une prochaine vidéo avec un ami. Comme ça au moins ça sera réglé, donc on va mettre Game One sur celui-là et on va se lancer directement. Donc là c'est ok. Ok, attends. Non. C'est quoi déjà les contrôles? Hey. J'aurais bien aimé couper le son, ça aurait été super. Donc, ah, c'est les flèches et shoot espace. Ok. Bah non, c'est même pas les flèches. On va essayer de faire un maximum de points, hein, c'est pas grave. Il avait dit quoi? C'était contrôle. Oh non, j'ai trouvé de quoi couper le son. C'est une bonne chose. J'essaie toutes les touches, hein, je vais pas vous mentir. Donc les amis, je vous reprends parce que j'ai trouvé à peu près comment faire. Bon, j'ai trouvé. On va dire ça comme ça. Bah en fait c'est parce que mes joysticks sont activés. Du coup ça a pas mal ouais. Et du coup ça, normalement là ça devrait mieux fonctionner. Ouais. Ouais, pas du tout en fait. Hop, j'ai coupé le son. Et j'ai trouvé le truc. C'est assez compliqué parce que là, du coup, je vais avec mon pédalier et mon clavier. Ouais, putain, 27 000. 27 000, c'est mon best record pour le moment. C'est quoi cette merde? Ah non!
Ah ouais, non, mais vas-y, toujours plus, toi. Toujours plus, le ref. Ok. c'est plus qu'un... C'est encore pire qu'un... Qu'un boss de Black Desert ou de Elder Scrolls Online. Oh non, j'étais à 40 000. C'est trop bien. Donc après, je sais pas c'est quoi le record pour avoir le... Merde, attends, je peux pas... Play games, the game... J'ai pas d'infos sur ça. Est-ce que même... Ouais, est-ce que ça se trouve, j'aurais pu l'avoir. Alors attendez. Parce que je l'ai sous les yeux. Hein. Donc si je l'ai... Je vous le dirai, mais je l'ai pas. Bon, on va y réessayer une dernière fois. Mon objectif, c'est pas de la... Ah d'accord, en fait. Genre là, j'ai le droit de me refaire toucher une seule fois. Je commence à comprendre petit à petit. Il me faut du temps. Mais. J'ai appuyé. Non, c'est pas cool ça. On va faire plein. En vrai, je préférais quand je restais appuyé. Là, j'ai un bouclier, ça veut dire que je peux tanker une. Ouais. On va essayer au moins d'attendre les 50 000. 50 000, c'est ce que je veux. Allez, 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 on perd pas espoir. Hein. Non, mais là, c'est con, ça. Voilà, faut pas que j'attende non plus des masses. Tac, là j'y vais. Là j'y vais. Là j'y vais. Ok, c'est ça. En fait, c'est un truc que tu as. Ah merde, j'ai besoin de niquer mon bouclard pour. J'ai appuyé. Quoi, j'ai fait que 28 000? Mais gros, j'ai fait mieux que tout à l'heure! Allez, s'il te plaît, les 100 000! Allez! Les 50 000, pardon. Bon, allez, non, vraiment, last des last. Après celle-là. Vas-y, je suis mort, attends. Autant que je la recommence directement. Et c'est con que je dois jouer avec mon pédalier, vraiment. Ils auraient pu faire un effort. Je comprends que c'est pas un jeu joué par grand monde. Mais ils auraient pu faire un effort. Ah, j'ai récupéré des vies. Oh bah j'ai tout perdu. Bah j'ai récupéré une vie. Voilà le joueur français qui fait des miracles. 46 000, vas-y c'est bon, je l'ai eu. Je suis dégoûté parce qu'en vrai, je pensais vraiment les atteindre cette fois-ci. Mais j'ai battu mon record. Écoutez les amis, au moins si ça vous plaît, vous me le direz. Je garde ce petit jeu de côté. Et si ça vous intéresse, on essaiera de battre notre record et de monter au moins à 100 000. Au moins, comme ça sera fait. Donc je vais juste aller voir vite fait, rapidement,
si j'ai eu le badge. Donc le badge, c'est ça que je ne l'ai pas. D'accord, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Tant pis, mais au moins, on aura kiffé. J'aurais kiffé. On aura... C'est assez marrant, c'est drôle. C'est drôle. Et merde, là, il y a une erreur. Donc c'est-à-dire, je crois que le jeu n'est plus disponible. Mais y a, apparemment, il y a plein de petits jeux dans ce style. Hein, comme vous pouvez voir, c'est assez intriguant. Allez, start. On n'a pas le temps, mais... Hop, on scanne. Attends, traduire en français, n'oublie pas. Donc là, j'ai un solde de 600 000. D'accord. Mot-clé. Orion. Ok. Allez. Ah ok, on peut lancer des trucs en parallèle. Ok, j'ai des trucs à lancer, ok. Ça fait penser à un style de jeu de gestion. Ça doit être des améliorations, je crois. Ouais, là, voilà. Là, ça vaut. Scan. Hop, on relance. Du coup, non, je peux pas. Ok. D'accord. Et traduit en français, s'il te plaît, mon ref. Ah, là, j'ai gagné 2 AU, c'est, je crois. Ah, mais... Ça va être une galère, hein, pour atteindre les 1000 AUEC, hein. Scan. Bonne contrôle. Ok. Là, je peux toujours pas. Ok. Orion, c'est beaucoup moins beaucoup moins ouf que lui de tout à l'heure, tu vois. Et là, je capte vraiment pas ce qu'il faut faire. Je scanne, je fais des trucs. Là, il y a marqué auto sell, donc c'est à dire que je dois chercher des ressources et les vendre. Alors là. What the fuck? Scan area. Pas d'intérêt. Mais par contre, c'est... Merde. C'est ouf. C'est pas traduit en français. Cash. J'ai zéro. Et là, pourquoi je gagne de la thune là? Ça me perturbe. Je continue à faire ça. Mais encore ça, ça changerait, ok? Mais ça change même pas. Je sais pas, il y a une combinaison à faire. Ah, toujours pas la thune. Mais non plus. Je suis perdu là. Perdu. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire ça pendant un petit temps. Et je reviens vers vous tout de suite après. Donc, les amis. Donc, après avoir fait pas mal de trucs de scannage, on voit que la couleur peut changer. Donc, j'étais en train de me demander, parce que là, vous voyez, j'ai eu 1000 AVC. Donc, je vais pouvoir acheter le drone.
Mais j'étais en train de me demander, là, la couleur, ils m'ont passé violette. Est-ce que ça serait pas le fait que j'ai tout miné? Je sais pas où j'ai tout. En fait, en gros, dès que je scanne, paf, ça repasse en bleu. Là, on va s'acheter le premier drone. Apparemment, c'est des drones pour miner et ça vaut quand même pas mal de thunes. Donc, je pense que c'est un jeu dans un jeu. Enfin, c'est vraiment un jeu de façon de base. Ça. Mais est-ce que. Bon, déjà, je peux mettre deux drones. Market. Comme métal. Combien de métal? Ah, j'en ai 0,6. Je vais attendre encore. D'abord, on va continuer à miner. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer comme ça et je reviens vers vous dès que j'ai un peu plus de drones. Donc là, les amis, je viens de comprendre un peu le délire. Donc je reviens vers vous. Donc, comme je vous ai dit, c'est un genre dans un jeu qui est vraiment kiffant de ma part. J'adore. C'est assez drôle. En gros, là, j'ai trop scan. Donc, tu as 32 mines avec deux drones comme ils sont activés là. Et en gros. Du coup là par exemple je peux plus prospect mais je peux plus scan non plus là hop quand je fais un truc comme ça en fait ça met les shield statut à 0 donc c'est carreau je sais pas trop ce que exactement mais en gros là après là en gros on buy un drone donc un deuxième drone et en gros par exemple je peux rien faire. Et là, en gros, tac, drill. Donc, je sais pas si ça a vraiment d'impact le fait que ce soit violet là ou pas. Je saurais pas vous dire. Exit, tac. Insuffisance capacité, ok, d'accord. Donc, on n'a pas de cargo. C'est bizarre par contre la couleur que ça prend. Ah, le scan il est revenu, ok. C'est pour ça. Et en gros, on doit scan pour éviter que ça passe justement dans ces couleurs là, je pense. Voilà, il s'en vient à la normale. Du coup, là, hop, maintenant qu'on peut tout faire, tac. Je relance un petit scan. Je vais aller vendre tout ce que j'ai. Ça me fait 6 000. Donc là, en gros, c'est savoir est-ce que je prends un drone, ça mine plus, ou alors je prends une raffinerie, un drill, tout ce genre de choses, en fait. Et c'est pour améliorer pas les objets les trucs. Donc ce que je vais faire c'est que je prends un drone et la raffinerie et à la prochaine vente que je ferai c'est que directement j'achèterai une prospection la prospection comme ça au moins bon je reviendrai où dès que j'ai avancé un peu plus. Ah et excusez-moi j'ai pas acheté un drone j'ai acheté l'amélioration du drone comme on peut le voir là level 3. Donc les amis, donc je voulais vous reprendre ici pour vous faire voir un peu mon avancée. Donc j'améliorerai pas mal de petits trucs ici. J'ai aussi, je sais pas si je vous avais fait voir, j'avais racheté un drone, mais j'en ai deux du coup, et j'avais débloqué une ressource. Voilà, hop, je commence par rendre déjà. Et voilà, on voit les mines là, j'avais débloqué une ressource supplémentaire. Donc je commence à comprendre petit à petit le truc. Et donc là du coup j'essaie de garder le thune pour tout simplement essayer d'acheter un nouveau drone. Parce que je sais qu'on peut, enfin là on peut en avoir que 4. Donc j'aimerais savoir un peu à quoi ça consiste. Et je reviens vers vous encore une fois dès que j'ai un peu plus d'informations. Même dès que j'ai avancé quoi. Donc les amis, j'ai des nouvelles importantes. Donc comme vous voyez, j'ai quand même bien upgrade les différents composants du vaisseau en tout cas qui permet de scan. À savoir que les couleurs que vous voyez quand ça change là de couleur, c'est parce que je scanne pas, donc je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ce qui vous fait perdre aussi. Parce qu'à tout moment en fait le scan peut tomber en panne et c'est là le plus gros problème dans l'histoire. C'est à tout moment il peut tomber en panne et c'est compliqué. Le but aussi c'est de rembourser cette cagnotte, je crois, 600 000. Donc c'est plus on améliore plus ensuite thune. Donc là vous voyez j'ai max de drone, j'ai max raffinerie, enfin voilà, j'ai énormément d'améliorations faites, j'ai tous les drones aussi, j'ai acheté tous les drones. Donc c'est pas en un rien de temps, je vais pas vous mentir. C'est quand même en un petit ouais, pas vous mentir, ça va peut-être faire une petite heure que
Je suis dessus et bah, c'est quand même prenant parce qu'on voit le truc avancer et s'améliorer. Mais je reconnais que c'est assez long. Enfin, qu'il y aura un petit badge à la clé. Un beau petit badge. Normalement, il y en a un. Oui. Bon, on verra ce que ça va me donner, même si j'ai peur de rien avoir. Tac. Tac. Ouais, surtout pas oublier de scan, c'est très important pour éviter de tomber dans la sauce. 40 000, on va prendre celui-là. Là, 600 000. Voilà, en fait, on augmente à chaque fois les capacités. Donc, bah écoutez, je vais continuer sur cette quête tout améliorer et après de rembourser la truc. Et dès que j'arrive sur la fin, je reviens au camp. Tac les amis, je vous reprends parce que j'ai amassé en très peu de temps, hein, vraiment. En quelques minutes après que j'ai coupé, j'ai fait mon petit cut pour continuer. J'ai amassé énormément de minerais, dont certains qui valent 10 000. Voilà, hein, donc là, je serai quasiment à 300 000, rien qu'à, bah là, je suis à 300 000, rien qu'avec eux du bas. Donc en fait, ça va aller très vite, ça s'enchaîne, ça va s'enchaîner. Donc on va commencer partout vendre. Et du coup, j'ai passé les millions. Et du coup, voilà. J'ai gagné le badge. Donc, en face de vous, vous venez de voir que j'ai gagné le badge. Donc, c'est assez long. Mais, putain, qu'est-ce que c'est kiffant. Je dois le reconnaître. En fait, de grimper, de step up, de step up, de step up, de step up. Jusqu'à ce que, bon, c'est tranquille, là, à la fin. Non, vraiment, c'est fou qu'ils aient fait ça parce que personnellement, mon point de vue, donc ça pourrait être insignifiant pour plein de personnes, mais j'ai kiffé le faire. Voilà. Donc, je sais pas si à l'avenir, on peut faire quelque chose ou pas avec, ou pas, mais là, de toute façon, voilà, j'ai fini, j'ai gagné. Hein, je suis à 3 000 euros des brouettes. J'ai envie de vous dire, c'est que du plaisir. Ce que je suis en train de faire, vraiment pour vous dire à tel point que j'ai apprécié le faire. Donc voilà, on est quand même pas mal en termes de thunes, on est quasiment à 5 millions. Donc c'est pour ça que je vous ai repris quasiment dans la santé, parce que malgré tout, d'ailleurs il n'y a pas un petit tableau des scores en vrai. Ça aurait été intéressant de voir le tableau des scores, il n'y en a pas. C'est dommage, le tableau des scores, parce que parfois, il est assez... assez fun à faire ce jeu en vrai, avec un petit tableau des scores là, ça aurait été juste parfait. Voilà, ouais, on va atteindre les 5 millions comme ça au moins. Hop, hop, voilà. Bah écoutez les amis, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'ai d'autres petits jeux comme ça à vous montrer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai une vidéo, bien entendu, comme celle-ci. N'oubliez pas de lâcher votre petit like, votre petit pouce bleu, à vous abonner, bien entendu, et à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Juste tout.